Toute la foule est animée, tous les joueurs déterminés. Allez les high five, montrez-nous vos capacités. La foule est animée, tous les joueurs déterminés. Basket, êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Notre équipe est une famille, faut gagner pour nos amis. Et la victoire nous anime, car on a peur de personne. Parfois l'espoir est fragile, on ne lâche pas, on agit. Car le basket est magique et on a peur de personne. Sur le parquet, prêt à gagner sous le panier, on a peur de personne. Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basque? C'est terminé, Zinta. Je ne te fais plus confiance. Non, pourquoi? C'est pas ce que tu crois, Charouk. Je peux tout t'expliquer. Qu'est-ce qui m'a fichu des abrutis pareils? On se remet en place. Papa, comment veux-tu que je travaille dans ces conditions? Du calme, ma chérie, on va la refaire. Hors de question que je refasse cette scène, j'étais parfaite, vire-le. C'est tout de même la star masculine du film. Si tu allais faire un peu de basket, ça va te détendre. T'as raison, venez les gars. C'est l'heure de se préparer à recevoir les high-fives. Regardez toutes ces couleurs. Admirez les palais des mille et une nuits. Eh, on est en Inde. Vous pourriez regarder le paysage plutôt que la télé, vous ne croyez pas? Oui, oui, Tony. Mais on regarde le film avec Sally, c'est trop bien. Ta colère t'aveugle et tu me juges en te fiant seulement aux apparences. Laisse ton cœur t'ouvrir les yeux si tu veux voir la vérité. Oh là là, il va jamais la croire. Oh non, il s'en va. Mais elle n'y est pour rien. C'est trop injuste. Oh, elle pleure. Ouais, et bah dans la réalité, la demoiselle, elle est pas si innocente que ça. Elle est connue dans toute l'Inde pour ses caprices, Miss Bollywood. Il va falloir se méfier d'elle. On la soupçonne d'avoir truqué des matchs pour être sûre de faire la une des journaux. Relax, Mia. On en a vu d'autres essayer de nous faire tourner la tête. On se fera plus avoir. Je vous prends à 5 contre 1. Dans tes rêves. Mal, Rudy. T'as encore fait des progrès. Hey Wouhou, champion. Hey, c'est Sally. On va pouvoir lui demander un autographe. Mademoiselle Sally. Hey, c'est la capitaine des Bollywood, Masala, notre adversaire. Arrêtez de baver devant elle. Aux abris. À l'intérieur, les Masala. Bienvenue à Bollywood, Tony Parker. Bienvenue dans mes studios. Bienvenue chez les Bollywood Masala, ma belle équipe. Allez-y, profitez de la présence de l'équipe entière. Couvrez l'événement, vous ne le regretterez pas. Et maintenant, on fait des photos avec seulement Tony. Et ma fille adorée, c'est ma princesse, mon trésor. Faites plein de photos de ma star de cinéma et bientôt de basket. Eh ben, c'est facile de faire du cinéma si t'es la fille adorée du producteur. Non mais attends, elle a pas choisi son père, Mia. Elle est née comme ça, elle profite juste des possibilités que la vie lui offre. Elle est pas pour toi, Gringalet. Et arrête de la regarder comme ça, tu l'abîmes. Je t'aime, ma fille. Je viens voir ta victoire tout à l'heure. Je te fais confiance, Kumar. À très vite, princesse. À très vite, papa. Ça vous dit de faire quelques balles, les high five?
mal. À vous, les High Five. Montrez-nous ce que vous savez faire. Ça va? Oui. Moi, c'est Sally. Rudy. Enchanté. Sally! Ça va, Rudy? Tu te sens bien? Ça va. Enfin, non. Je sais pas. Je vais faire un tour. Continuez sans moi. Quoi? Faut que je file aussi. Oui, mon père m'attend. Il doit me parler d'un scénario. Ben non, on n'a pas eu le temps de lui demander un autographe. Ou son maillot. On pourrait lui demander d'échanger nos maillots. Oh ouais! Grave bonne idée, Mike. Il faut qu'on y aille aussi. On se revoit pour le match. À toutes. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il a, Rudy? Rudy, il a des problèmes de cœur, Mia. Quoi? Rudy, il serait amoureux de... Sally? Mais c'est hyper grave! Tu serais pas un peu jalouse, toi? Mais pas du tout! Sally est super connue pour ses magouilles. Je parie qu'elle embrouille Rudy pour lui faire perdre le match. Pas de doute, tu es jalouse. Mais non! N'importe quoi! Oh, il faut le prévenir! Celui-là. Oh oh, c'est louche. Ferme les yeux. Hein? Je peux regarder maintenant? Pas encore. C'est bon. Oh! Wow! J'aime tellement Mumbai. J'aimerais que tu en découvres chaque recoin pour aimer l'un d'autant que je l'aime. Sally, tu sais, ce qui se passe là entre nous, c'est... Oui. Ça m'est jamais arrivé de... Je suis d'accord. Moi aussi, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Hey, vous deux, sortez votre thune. Quoi? Votre fric. J'ai rien et elle non plus. Tu sors avec une star et t'as pas d'argent? Ça sent pas bon, on dégage.
Regardez les détalés. Tout va bien? Pas de bobo? Moi, ça va. Et toi, Sally? Oui, ne t'inquiète pas. Eh ben, elle manque pas d'air, la Starlette. Pardon? Kumar, ton coéquipier, a payé ces deux types pour qu'ils agressent Rudy. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Hé, hey, Mia, du calme, là. Arrête ton délire tout de suite. Léo, montre ta vidéo à Rudy. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, pourquoi faire ça? Mais pour t'empêcher de jouer le match, imbécile! Ah! C'est faux! Tout ça est faux! Rudy! Attends! M'adresse plus jamais la parole, Sally! Rudy! Rudy! Je te jure que j'y suis pour rien! J'aimerais te croire, Sally! Si tu savais à quel point j'aimerais te croire! C'est Kumar qui a payé ces hommes, pas moi! Tu dois me croire! Ta colère t'aveugle et tu me juges en te fiant seulement aux apparences, Rudy! Laisse ton cœur t'ouvrir les yeux! Si tu veux voir la vérité! Ben quoi? C'est une réplique de film de Sally! Et j'adore! Une réplique du film? Une actrice? Oh. T'es qu'une actrice! Et moi, je suis un imbécile! Rudy, je n'y suis pour rien! Pour rien! Pour rien! Je crois que c'est pas le moment de demander notre autographe. Non. Quelle comédienne, celle-là! Rudy, ouvre cette porte! Mais ouvre enfin! Rudy! Une actrice! T'es qu'une actrice! Et moi, je suis un imbécile! M'adresse plus jamais la parole, Sally! Tu dois me croire! Ta colère t'aveugle! Et tu me juges en te fiant seulement aux apparences, Rudy! Non! Sally, oublie-le, il n'est pas fait pour toi! Mais tu n'es pas fait pour moi non plus! Alors oublie-moi! Pas de nouvelles de Rudy? Malheureusement non. Et on joue dans 3 minutes! Ouais, et Sally et Kumar ne sont pas là non plus! Le voilà! Qu'est-ce que tu faisais, Rudy? On t'attendait! Rudy, ça va? On joue, non? C'est l'heure! Non! On ne va pas jouer ce match! Les Bollywood Masala déclarent forfait! Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Sally? Si Rudy croit que je lui ai menti pour gagner ce match, il peut repartir avec sa victoire! C'est quoi cet embrouille? T'es sûre de toi, Sally? Un forfait, ce n'est pas bon pour vous dans la compétition. Ce forfait, c'est la preuve de mon honnêteté, Rudy. Mon honneur vaut plus qu'un match. Tu vas jouer ce match, Sally. Je finance cette équipe à prix d'or pour toi, ma fille. Il n'est pas question que tu déclares forfait. Si tu perds ce match à cause de ce loser, je te jure que tu passeras les 3 ans qui viennent dans un pensionnat en Suisse sans plus jamais mettre le nez dehors. Montre à mon père ce que tu vaux. Joue ton meilleur basket pour moi. T'as vu, loser? Ça, c'est du basket. Joue, Rudy. Joue pour moi. Hey!
Regarde, Rudy. Oh. Ça va? Ouais, j'étais dans ma bulle, j'étais complètement dans le match. Tu m'étonnes, champion. Hey, n'en faites pas trop, là. Tu rigoles? T'as vu le score? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette équipe de bras cassés? Vous savez pas jouer au basket ou quoi? Ça, c'était du basket, Rudy. Rudy, ça va aller? Oh, non, ça va pas aller. Pas du tout. J'ai fait n'importe quoi. Oh. Qu'est-ce qui se passe, Rudy? Raconte-moi. Moi, je joue un match. Sally, elle joue sa vie. 3 ans de sa vie. 3 ans enfermée, loin d'ici, loin de ses amis, loin de sa famille. Je sais, Rudy, mais tu n'y es pour rien. C'est à elle de régler ce problème avec son père. Rudy, je sais que j'ai fait une erreur en accusant Sally à tort. Ça, c'est sûr. Mais si Sally t'aime vraiment, elle ne peut souhaiter qu'une chose pour toi. Ta victoire, que tu réalises ton rêve en gagnant la World Bass Cup. C'est ce qu'on veut tous, pas toi? Mais je sais pas, je sais plus. Allez, Rudy, l'équipe compte sur toi. Il faut y retourner. Rudy, reprends-toi. Rudy, oh. Je suis débarqué. Oh. Oh. Comment il peut rater ça? Il le fait exprès ou quoi? Non. Hé, Rudy, cache ta joie. Je peux pas te faire perdre, Sally. Je... Ah oui? Va sur le banc de touche, alors, loser. Ouais! T'as pas encore compris, loser? Comment t'as pu croire qu'une star comme moi pouvait t'aimer? Rudy, réveille-toi! Mia avait raison. Sally me manipule depuis le début. Ils sont de mèche, tous les trois. Il n'y a pas de pensionnat. Tout ça, c'est du cinéma. Du cinéma! Mia! Derrière toi! Mia! Ouais, te revoilà, Rudy! T'es bien moqué de moi, mais c'est fini! Oh. Elle lui ment. Elle lui ment pour qu'il gagne. Ouais! Tu fais quoi, Mia? On a un match à gagner. Rudy, Sally joue la comédie. Tu m'étonnes. C'est une actrice. Elle te ment pour que tu gagnes. C'est ça. C'est une actrice. Elle te ment pour que tu gagnes. Oh, oh. Aïe!
Sally! Sally! Mon bébé, mon canari, mon diamant, tu es blessé! Ça va? Ça fait mal! Mais ça va aller, j'ai 3 ans en Suisse pour me soigner. En Suisse? Mais il n'est pas question que tu ailles en Suisse! Il faut que tu ailles dans le meilleur hôpital de Mumbai! Kumar, va chercher la voiture! T'as pas trop mal? Ne t'inquiète pas, je suis une bonne actrice. En fait, je n'ai rien. Non. Mon pauvre petit canari. Aïe, ça fait mal. Il est parti et je ne le reverrai jamais. Ne pleure pas, Zinta. Ça n'aurait jamais marché entre vous. Vous vivez dans des mondes bien trop différents. Adieu, lumière de ma vie. Adieu, Shahrukh. Hey, les High Five, vous pourriez regarder le paysage plutôt que la télé. Admirez les couleurs, les palais des mille et une nuits. On est en Inde.